Bienvenue dans la Maison Sanglante. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série des films Poltergeist. Le premier Poltergeist est sorti en 1982. C'est un film fantastique américain réalisé par Tom Hooper, écrit par Steven Spielberg. À partir de là, la famille va être aidée par des spécialistes du paranormal. Ensemble, ils vont avoir des problèmes assez perturbants avec, pour les spectateurs, des scènes très spectaculaires, des objets qui volent et des apparitions effrayantes. Plus tard, il y a eu les films Poltergeist de 1986. Et le Poltergeist 3 en 1988. On y voyait la suite des aventures de la petite fille et on comprenait que même loin de la maison du premier film, les esprits continuent à la poursuivre. En 2015, il y a eu un remake qui n'a pas bien marché et du coup, il n'y a pas eu de suite. Alors, mon avis, c'est que le film est bien, mais sauf que certaines scènes avec les esprits ne fonctionnent pas très bien pour nous effrayer. Et voilà, c'était la Maison Sanglante et je vous dis à la prochaine et salut!